Pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te loue. Pour le salut que tu m'as donné, Jésus, je te loue. Je te loue. Que ferai pour toi, Seigneur? Seigneur Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je te servirai toute ma vie, vie dans mon cœur. Tu m'as tout donné pour la vie que tu m'as donné. Jésus, je te loue. Tu m'as tout donné, je te servirai toute ma vie, vie dans mon cœur. Tu m'as tout donné pour la joie que tu m'as donné, Jésus. Je te louerai, je te louerai. Santé que tu m'as donné, Jésus, je te louerai, je te louerai. Que ferai pour toi, Seigneur Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je te servirai toute ma vie, toute ma vie. Tu m'as tout donné pour la victoire que tu m'as donné, Jésus. Je te louerai, je te louerai pour la parole que tu m'as donné, Jésus. Je te louerai, je te louerai. Oh, que ferai-je sans toi? Nous lisons le psaume 48. Nous sommes 48.
L'Éternel est grand. C'est l'objet. Montagne sainte. Paix, colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Amen. Dieu est dans ses palais, Amen. Est connu pour notre retraite. Amen. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfait. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Amen. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient. Qui brise le navire de Tarsis. Ce que nous avons entendu dire, nous l'avons vu. Amen. Dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre roi, Amen. Dieu la fera subsister toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ta droite est près de justice. La montagne de Sion se réjouit, la vie, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez la sainte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez son palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre Dieu jusqu'à la mort. Amen, amen. Un jour, un passage, si la voix dépassa, se tenait. Et avec les qui s'appelait Bartimée. La foi qui fait arrêter Jésus, la foi. Céleste, notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci pour ce soir et ces moments bénis que tu nous donnes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci aussi pour notre précieux frère Zaché, Seigneur. Que ton nom soit béni de l'avoir conduit, de l'avoir aussi inspiré, Seigneur, de l'avoir aussi soutenu, Père. Mon âme te loue encore ce soir pour tes merveilles, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, mon Sauveur, béni, mes Pères, Saint-Dieu. Et la joie que tu donnes encore, Père, puissant Dieu, de pouvoir nous retrouver dans ces lieux, Père, oh Dieu, avec ton peuple, mon roi, qui est rassemblé en cet endroit ce soir et qui est aussi rassemblé à différents endroits. Père Saint, aussi, il est dispersé par le monde entier, dans différents coins et recoins, mon béni, mes Pères, Saint-Dieu. Il est à toi, c'est ton peuple à toi, mon béni, mes Pères, Saint-Dieu. C'est ton corps à toi, mon Seigneur. Je te remercie, Père Saint-Dieu. Nous sommes simplement que des instruments pour ta gloire, mais c'est lui qui fait l'œuvre, c'est toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est lui qui conduit encore davantage, c'est toi, mon bien-aimé Père Tibissant. C'est lui qui nous parfait encore, c'est toi, bien-aimé Père Tibissant. Parce que tu veux réellement que nous puissions atteindre la perfection, Seigneur. Le parfait, c'est toi, mon bien-aimé Père Tibissant-Dieu. Et toi, tu sais comment nous aider à pouvoir l'atteindre aussi, mon Seigneur. C'est pourquoi nous soupirons après toi et t'implorons la grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de pouvoir vraiment avoir pitié, miséricorde encore de chacun de nous. Père Saint-Dieu, pourra nous positionner comme tu le veux, Seigneur. Nous voulons encore davantage les oreilles comme toi tu veux, que nous puissions entendre réellement ta voix, bénémoine Père Saint-Dieu.
Certainement, ceux qui sont approchés de toi, bénémoine Père Tibissant, sont jamais rentrés près de lui, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Ils ont toujours été consolés par toi. Nous approchons de toi encore ce soir, mon Seigneur. Aie pitié de nous, bénémoine Père Saint-Dieu. Merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Merci aussi pour les psaumes, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Merci pour les enfants qui t'ont chanté. Merci pour les frères et sœurs qui t'ont aussi chanté, mon roi. Merci pour tous les bienfaits que tu as aussi apportés, bénémoine Père Dieu. Notre sœur Christiane qui est revenue, Père Dieu. Louange à toi d'avoir protégé, gardé, Père Dieu. Béni soit ton Seigneur, mon roi, pour chaque frère, pour chaque sœur aussi, bénémoine Père Dieu, que toi tu as gardé, Père Tubisson, dans ce déplacement. Merci pour notre précieux frère Robert, Abel, bénémoine Père Saint-Dieu, qui est parmi nous encore ce soir. Nous te remercions de l'avoir gardé, Père Saint-Dieu. Tu es le roi, tu es le Dieu tout-puissant. Mon âme te loue et glorifie encore ton Seigneur, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Merci pour chaque frère, pour chaque sœur, pour nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion et ce soir dans différents endroits, bénémoine Père Tubisson-Dieu. Merci pour notre frère Samuel pour l'interprétation, Seigneur. Ce n'est pas facile, mon bénémoine Père Saint-Dieu, mais soutiens-les à cause de ton Seigneur, mon bénémoine Père Tubisson-Dieu, à quoi la grâce que ton peuple puisse entendre ta voix à toi et non pas la mienne, Père Saint-Dieu, que nous puissions bénéficier de ta bonté, Seigneur Jésus. Guéris les malades, bénémoine Père Saint-Dieu, soutiens, relève les faibles encore, bénémoine Père Saint-Dieu. Nous serons fortifiés par toi, mon bénémoine Père Tubisson, parce que la foi qui vient de toi nous fortifie encore davantage, Père. Sois béni et sois glorifié, Seigneur. Travaille nos cœurs, Père Tubisson, Dieu, donne encore l'inspiration, Père Tubisson, les ailes encore et la joie dans notre cœur. Nous te remercions, car nous t'avons ainsi prié, Père Saint-Dieu, glorifiant ton Saint-Nom, pour la gloire et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Père. Merci. Oui, merci. Gloire à toi. Merci, Sauveur. Tu l'as fait. Oui, tu le fais. Tu l'as fait encore. Merci encore, merci. Parce que nous voulons cette flamme dans notre vie, dans notre âme, dans notre cœur, lorsque nous nous tenons encore dans ta maison, mon bénémoine Père Saint-Dieu, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, comme nous l'avons entendu, Père Saint-Dieu. Tu seras notre guide jusqu'à la mort, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et nous te servirons encore davantage, mon roi. Pardonne encore et soutiens. Merci, Père, et merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, Père Saint-Dieu. C'est vrai, Père Saint-Dieu, tu es vraiment le Dieu qui a dit que tu verras une postérité, tu prolongeras tes jours. Béni soit ton Seigneur. Merci, Seigneur béni. Louange à toi. Et c'est vrai, Ben. Vous ne les verrez plus. C'est vrai. Merci. Tu as vaincu. Tu as accordé cela, Père Saint-Dieu. Nous nous réjouissons en toi, mon béni, mon Père. Merci, Père. Louange à toi. Honneur à toi. Merci. Oh, agis encore davantage. Et console et fortifie encore nos cœurs. Sois béni. Sois exalté. Merci pour ce que tu fais. Merci réellement pour la joie, Père Tubisson, pour les ailes. Nous le voulons encore davantage dans nos cœurs, pour tout un chacun de nos Père Saint-Dieu. Nous sommes heureux d'être dans ta maison. Sois béni, sois exalté, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Il est un nom, un homme merveilleux, que nous aimons entendre les sons. Et cela nous console davantage de savoir que le Seigneur, notre Dieu, est vivant et qu'il veille sur nous et nous conduit davantage, effectivement. Nous avons besoin de ce Dieu, nous avons besoin de lui tous les jours. Et comme nous l'avons aussi entendu, c'est toujours important. Chaque jour que nous venons, ça ne doit pas être des habitudes, en fait. C'est-à-dire que nous devons être conscients de ce que nous sommes. Et avant d'entrer ici, nous devons vraiment nous préparer dans notre cœur. Il ne faut plus qu'il y ait des habitudes ici. Il faut vraiment qu'il y ait une vie, en fait. Et quand nous devons prier le Seigneur tous ensemble, nous levons nos voix vers ce Jésus que nous aimons tant et nous le servons, frères et sœurs. Il faut que les habitudes cessent. Il faut que la vie de Christ se manifeste. Ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir. Et ça, on ne peut pas rester comme des gens qui sont oisifs comme ça, ainsi, comme stériles. Non, il faut que dans notre cœur, dans notre âme, quand nous devons louer, nous devons vraiment les glorifier et prier, ça doit être vraiment aussi comme la Bible dit, avec un cœur brûlant d'amour, effectivement, et d'un commun accord, effectivement. Parce que très bientôt, d'ailleurs, les choses sont en train de pouvoir être changées. On voit effectivement que les choses ne seront plus jamais pareilles. Le monde ne va plus aller bien, mon frère et ma soeur. Et si nous sommes conscients que
très bientôt, nous allons partir parce que Dieu, notre Seigneur, il est tellement bon à notre endroit. Il ne nous a pas laissés dans la confusion et dans les ténèbres. Il a dit, la Bible dit qu'au temps du soir, vers le soir, la lumière paraîtra. C'est pour que nous nous voyons très bien, effectivement, et que nous puissions être encore guidés, conduits encore par le Seigneur dans les prophéties bibliques, effectivement, pas dans les choses, effectivement, de répétition, mais le Seigneur nous conduit encore progressivement, de jour en jour, pour que nous puissions voir qu'effectivement, que nous n'avons pas la lettre, nous avons simplement la parole de vie qui a été prononcée par le Seigneur et que nous voyons aussi l'accomplissement de ce que Dieu a eu à pouvoir dire et que toute chose, effectivement, suit, effectivement, la volonté de Dieu. Parce que c'est comme cela que nous le disons aussi souvent ici en disant que vous le croyez. Ça, il faut que vous puissiez entendre ça rentrement, vous aussi. Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, la parole de Dieu ne va pas vous attendre, vous. Elle avance certainement parce qu'il ne faut jamais se donner plus d'importance soi-même. Nous ne valons rien. Ni moi, ni vous, nous n'avons pas de valeur. La seule chose qui a la valeur, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui inspire, effectivement, qui pousse. Alors nous avons besoin de pouvoir avoir supplié Dieu que, Seigneur, fais que cela soit dans mon âme. Ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur, ce que tu as abandonné ton premier amour. Et puis nous avons dit, mais souviens-toi donc d'où tu es tombé, pour l'amour de Dieu, frère. Dieu veut que nous soyons un peuple bouillant, pas un peuple froid, effectivement. Donc bouillant, c'est-à-dire que dans ce que nous devons faire pour Dieu, tout ce que nous avons, et comme la Bible aussi nous invite, hein, que tu l'aimeras de tout ton être, toute ta force, toute ta force. Donc si à un moment où je dois maintenant crier gloire à Dieu tout le temps, c'est aussi quand je suis là, dans sa maison. Je ne vais pas regarder les voisins qui vont, je n'ai pas besoin de voisins. Qu'il me critique, qu'il m'insulte, il n'y a pas de problème. Dieu s'occupe. Moi, je m'occupe de Dieu, de ce qu'il veut, effectivement, dans sa maison. Vous savez, frères et sœurs, c'est l'adoration, la louange, effectivement, qui fait que les démons, l'esprit. Oui, c'est vrai, frères et sœurs. Ne soyez pas comme des morts, en fait. Parce que nous ne sommes pas des morts. Nous sommes des vivants. Parce qu'il est vivant, et s'il vit en nous, en fait, comme la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est donc dans ce monde. On ne doit pas te supplier pour pouvoir prier Dieu et l'aimer, effectivement, et lui exprimer de la reconnaissance. J'aime quand nous chantons Dieu, j'aime quand nous prions Dieu, et quand nous élevons. Vous savez, c'est important que vous puissiez savoir que le Saint-Esprit nous conduit à cela. C'est nécessaire. Il ne faut pas que quand le Seigneur, le Saint-Esprit met le feu, tu te jettes de l'eau froide. Ça, c'est la chose la plus mauvaise, en fait. Vous ne devez pas toujours être comme des morts. Non, on te pousse, effectivement, mais il faut que tu puisses avancer en fin d'action. Louer Dieu, chanter Dieu, aimer Dieu, ça doit être la joie dans votre âme, en fait, toute ma vie. Nous l'avons lu, hein, tu seras notre guide hein, jusqu'à la mort. Donc, si je l'ai comme guide, effectivement, alors je suis tellement heureux. Alors, et comme il aime bien être adoré, être aussi loué et être aussi reconnu comme c'est celui qui fait les choses, alors nous devons le faire. Si un étranger vient ici, qu'il rentre ici, il doit sentir qu'effectivement, qu'ici, il y a un peuple de Dieu. Il doit sentir qu'effectivement, que la vie que vous dégagez, en fait, doit aussi l'influencer à pouvoir dire, mais en tout cas, il faut que je sois là-dedans. Cette chaleur, en fait. Oui, mon frère et ma soeur, il est bon de louer Dieu et de le servir. Parce que, frères et sœurs, vous allez louer qui, en fait? Pourquoi tenez-vous compte de vous-même? Parce que, vous savez, la Bible nous a fait savoir, il faut quand même qu'il y ait quelque part une sagesse, quelque part, ne fût-ce que petite comme ça. Parce que tout ce que nous sommes ici, vous n'emporterez ça nulle part. Tu as été tiré de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Je préfère quelque chose qui n'a pas été tiré de la poussière. Alléluia. Amen. Bien sûr que... Oui, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien sûr. Donc, je ne suis pas intéressé à quelque chose qui est limité. Amen. Je suis intéressé à une chose qui demeure éternellement.
C'est cela mon désir à moi, parce que ce corps ici dans lequel nous sommes ici, il est malade, il va avoir des bobos, des problèmes, des os, de ceci et de cela, il va toujours me fatiguer. J'ai beau faire tout ce qu'il y a à pouvoir faire, au fur et à mesure que l'âge avance, il fait qu'il te dit qu'effectivement que tu peux tout faire, tu peux tout me donner, à un certain moment je suis aussi fatigué. Alors s'il est comme ça, qu'est-ce que je dois faire avec? Est-ce que vous comprenez? Alors, nous désirons revêtir notre domicile céleste. C'est à cela, vous et moi, mon frère et ma soeur, avec la promesse qu'il nous a faite, nous devons le remercier. Seigneur, je serai un jour débarrassé. Pour revêtir dans ce corps-là, où nous ne serons jamais là, la maladie n'aura jamais lieu. Plus de tristesse. Plus de problèmes. Plus de soucis. Simplement l'adoration. De dire que tu es digne. Que tu es roi. Tu es merveilleux. Tu es digne de recevoir la louange et l'honneur et la puissance. Parce que tu as tout vaincu. Et tu as fait de moi un fils de Dieu. Aujourd'hui, je peux contempler la grâce de Dieu. Oui, mon frère et ma soeur. Mais vous savez, il en a le droit. De ce que moi, étant sur cette terre ici, je puisse l'adorer pour que je ne regrette rien. Pour que quand je serai là, je puisse m'incliner devant lui. Seigneur, quand j'étais sur la terre, je n'avais pas eu un autre Dieu que toi. Pas d'autre Seigneur que toi. Je n'adorais que toi. Je n'ai servi que toi. Toute ma vie, mon frère, ce sera glorieux. Parce que la récompense qui t'attend, toi, elle est plus grande que tu. Oui, c'est vrai. Avec la dose que vous aimez les Seigneurs, avec la dose que vous faites effectivement les choses pour les Seigneurs, aussi, de l'autre côté aussi, ce qui vous attend aussi est plus grand que ça. Bien sûr. Plus vous l'aimez, plus vous les servez, effectivement. C'est important et c'est vrai. Tout le monde n'aura pas la même chose. Si sur la terre, effectivement, tu les servais avec des envoltures, mais quand même, même ici, quand même, dans ce bas monde, il faut que vous puissiez comprendre cela aussi, hein. C'est sûr et certain. Si c'est pas bon, effectivement, quand vous êtes à l'école, effectivement, quand vous étudiez peu, vous n'étiez pas trop, vous avez même les résultats, on ne va pas vous clamer comme vous les prenez chaque fois. Non, ce sera le niveau auquel vous êtes. Est-ce que vous rendez aussi ceci? Donc, tout ce qui, donc là, on voit que la position, quand quelqu'un fait plus, il reçoit plus. Oui. Lisez de Matthieu chapitre 25, un peu plus bas aussi. Comprenez. C'est qui a fructifié davantage, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est important, c'est pour ça que il nous est nécessaire dans notre vie de pouvoir vraiment, comme l'apôtre Pierre nous l'a dit, faire tous vos efforts. C'est-à-dire que tu as à pouvoir faire cela pour joindre à votre foi. Parce qu'il faut que... Les œuvres sont l'expression donc de la foi. Il faut que nous désirions vraiment dans notre cœur faire plus pour Dieu que plus pour notre chair. Parce que devant nous, il n'y a que le Seigneur, et le Seigneur après le Seigneur, c'est nous. C'est quand même vrai, hein? Il n'y a pas un autre frère si ce n'est que toi-même devant le Seigneur. Alors le combat qu'il y a, c'est toi, non? Donc tu veux que les choses soient faites pour toi et selon tes désirs, en fait. C'est ça le problème. On ne fait plus jamais plus pour toi, alors fais plus pour lui, parce que tout ce que vous faites, même un petit verre d'eau, le Seigneur l'a dit, non? Tu auras les récompenses. Mais maintenant, si tu le sers de tout ton cœur, toute ta vie entière, la récompense est encore plus grande que celui qui donne le verre d'eau quand même, hein? Mais ça, c'est vrai, ça, vous devez l'apprendre aussi, c'est sûr. Plus tu l'aimes, plus tu es vrai, tu le sers encore davantage, la récompense ne fait qu'augmenter. Ah oui, nous n'aurons pas la même récompense tout un chacun de nous, hein? Ça, vous devez l'apprendre. C'est lui qui aime beaucoup, et qui l'aime trop et qui le sert beaucoup. Ah ben, celui-là aussi sera compensé en fonction des... Oui, c'est cela aussi. C'est important. Alors, celui qui l'aime, qui l'adore, qui le chante de tout son cœur, de toute son âme, oui. Mais celui qui chante avec des involontures. Vous connaissez les volontures? Laissez-moi quand même chanter. Mais l'autre qui chante de tout son cœur, Seigneur, il n'y a que toi que j'aime. Hein. Et quand mon âme ne tremble que par toi, quand j'entends ton nom, tout au moins on a tressaille de joie. Je dors qu'en chantant ton nom, je me réveille que j'aime entendre cela.
Vous ne le fabriquez pas, mais vous l'aimez tellement. Vous vous souvenez, dans les Saintes Écritures, vous le savez, il dit, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. C'est-à-dire que ces gens-là faisaient quelque chose. Les récompenses, ils les reçoivent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? C'est l'heure de vous réveiller, frères et sœurs. Pour l'amour de Dieu, abandonnez vos habitudes. Et surtout, regardez à celui qui est à côté de vous. Il dit, mais quand je vais faire ceci, comment il va penser? Vous ne vous en occupez pas. C'est votre âme à vous, votre salut. Louez Dieu, chantez Dieu, aimez-le, même si, parce que souvent, ce qui refroidit, c'est ça les autres. Ah, tu as vu comment il a commencé à jouer, à chanter. Vous n'avez pas à vous occuper de cela. C'est le diable qui veut vous refroidir. Vous, vous devez être bouillant. Qu'il critique, qu'il parle du mal, moi, je chanterai. Je louerai Dieu, parce que la récompense, c'est moi qui vais l'obtenir. J'aime beaucoup Dieu. Vous l'aimez aussi? Frère, sœur, ne prenez pas de temps, il faut l'aimer. Il n'y a pas un autre Dieu qu'on peut aimer comme ça, mon frère. Il prend soin de toi, il se soucie de toi, des vêtements, de la nourriture, de tous les enfants, de tout ce que tu as. Il en prend soin. Et puis, il te dit, toi, il dit, ne t'inquiète de rien. Parce que moi ici, je prends soin de toi. Alors, si j'entends cela, mon problème, c'est de m'occuper de lui. Que lui va s'occuper et de tout ce qui, bien sûr, tout ce qui t'appartient, donc, lui s'occupe de toi. C'est ça l'erreur que nous faisons toujours. Il faut bien connaître le Seigneur dire, quand vous vous occupez de lui, oh là là, il va bien, bien, bien s'occuper de vous. L'erreur, c'est que vous vous occupez trop de vous et très peu de lui. Alors, occupez-vous maintenant, dès maintenant, trop de lui et trop peu de vous. Lui va s'occuper trop de vous. C'est la vérité. Parce que Adam était comme ça. Il s'occupait trop de choses de Dieu. Occupé à ce que Dieu lui avait dit de pouvoir faire. Alors Dieu, c'est lui-même un Dieu qui commence à penser de lui, effectivement. S'occuper de lui. Qu'est-ce que je peux faire de meilleur pour lui? Qu'est-ce que je peux moquer? Il va faire. Il n'a jamais changé. On dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Donc s'il a fait cela aussi avec Adam, qui s'occupait de lui, effectivement, il va se faire, il va le faire aussi pour vous aussi. C'est pour ça que quand il s'agit d'être dans sa maison, je préfère courir vite, effectivement, y être là et préparer mon cœur. Comme j'ai dit, plus d'habitude, mon frère. Plus d'habitude, ma sœur. C'est être vraiment des pierres vivantes. On vient, on entre dans sa maison, on prie d'abord, on se concentre. Seigneur, aide-moi à faire ton service comme tu le veux. Parce que chacun de vous est censé, nous l'avons lu, hein, est censé pouvoir servir le Seigneur. Vous n'êtes pas des spectateurs. Vous devez participer parce que c'est un culte raisonnable que nous devons lui rendre, effectivement. Nous sommes participants à cela. Le voile a été déchiré de haut en bas. Pour que toi, maintenant, tu entres aussi en service. Hein? Depuis ce service. C'est pour ça, quand vous voyez quelqu'un qui est froid, indolent, après, vous l'approchez. Sœur, frère, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va bien, frère? Est-ce qu'ici, on peut rester encore, on va prier encore ensemble. S'il y a un problème, on va se mettre à genoux ensemble. Encouragez-vous les uns les autres. Parce que s'il y a un frère qui est là, qui, toi tu chantes, tu vois, tu jeunes. Alors, par amour, hein, pour la personne, parce qu'on a vu, il est plein d'affection. Ou si une soeur, elle est toujours un peu maintenant. Après la réunion, vous l'approchez. Ma soeur, ça va. S'il y a quoi que ce soit, on peut prier. Parce que vous devez aussi vous soucier aussi les uns. Parce que c'est pas normal que vous vous chantez et que lui soit froid comme une glace. Vous savez, quand la personne est comme ça, ça vous refroidit aussi.
Vous, vous êtes quand même aussi fort dans l'esprit. Ça vous, vous continuez à vous apprécier. Mais l'autre qui est à côté, là, un nouveau, là, faut pas qu'on m'affronie aussi les nouveaux. Vous comprenez cela? Donc, il faut aider les autres, évidemment, à comprendre que nous, on n'est pas venu pour que nous puissions avoir la tête des concombres. On est venu pour avoir le soleil. Parce que notre Dieu est un soleil qui régit nos cœurs. Peu importe le souci, peu importe le problème. Quand je rentre dans la maison du Seigneur, j'ai dit, tous mes problèmes ont trouvé. Alors, vous savez les cantiques qu'on chante? Tous mes soucis, tous mes soucis. Ah ah! Tous mes soucis, ah ah! Tous mes soucis. Ah! Alors maintenant, s'il a pris tous mes soucis, qu'est-ce que je veux faire? Je ne fais que l'adorer. Je ne ferai que lui dire merci. Parce que mon frère, s'il a pris ma soeur, pourquoi tu veux le porter? Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et vos pardons. Je vous donnerai quoi? Du repos. Ah, frère, ça va pas, j'ai ce problème qui me traite. Bon, maintenant, il te dit qu'il a résolu ce problème. Parce que tous tes problèmes, il les résout toujours, non? Tous nos problèmes. Allez, réchantons encore. Tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Merci. Tous mes soucis, soucis. Mon sauveur les a pris. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je pose la question. Votre attention ici. Je vous pose la question. Qui croit que tous ces soucis ont été pris par les saints? Et moi aussi, je lève mes mains. Non, soyez sincères. Hein? Qui croit que tous ces soucis ont été déjà pris? Je lève mes mains, mon frère et ma soeur. Je le crois aussi. Non, levez vos mains quand vous croyez. Hein. C'est merveilleux. Hein. Le diable a été déjà vaincu. Oui, oui. Nous remercions le Seigneur pour cela. Lève-nous pour prendre les Saintes Écritures, l'Écriture dans un roi. Nous lirons cela. Je pense que c'est cela, oui. Merci Seigneur, oui. Voilà. Voilà. Un roi, chapitre 22, et nous lirons à partir du verset 11. Là, oui. Permettrez, il dirait une partie, puis vous allez vous asseoir, et puis nous allons continuer à lire. Dans un roi, chapitre 22, verset 1, on dit, on resta donc 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Et le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Mais veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Amen. » Maître béni, nous voulons vraiment te dire merci. C'est avec beaucoup de reconnaissance et de consolation, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que te disons encore merci pour ce jour que tu nous as donné, Père Saint-Dieu. Merci encore de la grâce de pouvoir être là dans ta maison, Père Saint-Dieu, de pouvoir chanter le chant des Sions pour ta gloire et réalisant combien tu es vraiment parfait. Et nous sommes consolés parce que jamais tu nous as abandonnés, Père Saint-Dieu. Tu as toujours pourvu dans ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans le chant et les cantiques, mon roi, dans la joie, l'adoration, Père Saint-Dieu, quand nous sommes même attristés, tu nous consoles, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu as toujours solutionné nos problèmes, mon roi. Tu as toujours pourvu pour nos besoins, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour ce moment. Merci pour ta parole, Père Saint-Dieu. Nous t'appelons la grâce pour encore nous conduire encore ce soir, parce que nous voulons davantage apprendre de toi. Et surtout, Père Saint-Dieu, que ce ne soit pas l'homme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons besoin vraiment et vraiment, Père Saint-Dieu, que tu nous parles tous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous voulons
voulons te voir, mon bien-aimé Père Saint. En ces jours-là, nous ne voulons pas qu'il y ait quelque chose qui fasse obstacle, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Nous voulons être préparés de la bonne manière pour que quand tu viendras, tu trouves un peuple bien disposé. Sois donc béni, exalté, car nous t'avons ainsi prié par au nom du Seigneur et Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Donc nous voyons que il y a une période où il n'y avait rien qui s'est passé, effectivement, sur donc la paix, mais alors que c'est le roi d'Israël qui, voyant donc la visite de Josaphat, qui vient donc vers lui, effectivement, c'est comme il a organisé Josaphat, effectivement, parce qu'il y a eu donc un lien qui était là établi, et il soulève un sujet donc concernant Ramoth en Galate, qui était entre les mains des Syriens, d'après ce que cela j'ai dit, effectivement. Donc, il dit, c'est à nous, on doit arriver à pouvoir, et nous désirons aller chercher cela. Alors, Josaphat répondit, moi comme toi, comme ton peuple, effectivement, dit, parce qu'il a posé la question, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme donc tes chevaux. Donc dit, ah, tu me les demandes, effectivement, ben, comme s'il y a un lien, nous nous joignons aussi, effectivement, en réalité aussi. Alors, cet homme ici, donc ce roi, avait la grâce de Dieu de pouvoir être prudent. Parce que la chose semblait tellement si beau et si vrai, c'était comme si c'était, c'est, ça doit être fait effectivement comme cela. Parce qu'on nous dit ici effectivement que le verset 3, hein, il dit, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous, donc ça nous appartient. Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Parce que c'est rien qui en avait bon. La chose nous appartient. Donc c'est quelque chose dont il disait, mais c'est un droit qu'on doit arriver à pouvoir le faire en réalité. Là, nous pouvons apprendre une chose qui est très importante, effectivement. Même si nous voyons que la chose, elle est évidente, et que c'est bon à pouvoir faire, effectivement, aussi là-dessus. Pour un fils de Dieu, il ne peut pas et il n'a pas le droit de pouvoir se presser de pouvoir faire la chose. Il doit toujours se poser la question, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce le temps pour Dieu? Alors, je dois chercher la face du Seigneur pour savoir si la chose doit être faite ou pas. C'est pour ça que Josaphat a eu à pouvoir dire, c'est très bien cela. Je vois que tu as eu à pouvoir voir que la chose doit être faite ainsi. Moi aussi, je suis d'accord pour faire avec toi. Nous sommes des hommes, bien que nous pouvons avoir des armées. Mais il ne faut pas qu'on oublie une chose que nous sommes un peuple élu, parce que, si on voit très bien ici, je crois que on nous fait savoir que, verset 2, Josaphat, roi de Juda, et il est ici descendu auprès du roi d'Israël. Donc il y avait donc la tribu de Juda, et puis les autres tribus, effectivement, que faisait donc, on appelait donc la tribu d'Israël, donc qui était donc conduit, vous savez, la séparation qui a eu lieu à l'époque, effectivement, avec Jéroboam et Roboam. Salomon, effectivement. Vous vous souvenez, je pense. Vous avez encore la mémoire. Alors, ce qui était donc la tribu de Juda, c'était donc cette postérité de David. Vous vous souvenez? Ok. Alors, Josaphat était quelqu'un qui marchait sous les traces de son père David. Il savait qu'en toute chose, quand David, depuis même qu'il était jeune et qu'il grandissait, il avait toujours tendance à pouvoir consulter l'Éternel. Quand même, il est devenu roi, il servait Dieu, il savait que je ne peux pas, même s'il fallait aller faire les Philistins, je vais toujours consulter l'Éternel. Est-ce que je veux vaincre papa? Donc, il avait cela, effectivement, aussi.
Et alors, quand le roi d'Israël, lui, dans la précipitation, il dit, c'est un droit, il lui a dit non. Alors, je te prie maintenant de consulter la parole de l'Éternel pour savoir ce que Dieu dit. C'est nécessaire. C'est vraiment important pour chaque enfant. Vous savez, nous sommes des humains et nous avons... c'est pas aussi dans les gènes de l'homme de pouvoir toujours se référer au surnaturel, au spirituel. Alors, le Seigneur veut nous apprendre, en fait. Que depuis que nous l'avons reçu, que nous l'avons reçu dans notre cœur, que nous croyons en lui, que nous l'avons dit que tu es le seul Dieu, le maître qui doit conduire ma vie, effectivement, nous devons comprendre tout un chacun de nous que nous ne sommes plus indépendants. Nous avons décidé de lui remettre notre vie tout entière et tout ce que nous sommes. Alors, il faut que nous soyons conscients et reconnaître aussi l'alliance que nous avons avec ces dieux. Ce que nous te donnons tout, que tu sois maintenant notre guide, comme nous l'avons dit dans les psaumes, effectivement aussi, et que ce soit celui qui nous conseille dans tous les domaines, tout ce que je dois faire. Je ne dois faire que ce que toi, tu veux que moi, je fasse. Mais souvent, on oublie cela. On oublie cela. Et on oublie effectivement que nous avons une alliance avec Dieu. Et même quand nous le répétons aussi dans nos prières, aussi nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas un païen qui dit cela. Vous me suivez? Parce qu'un païen ne peut pas se dire de Dieu. Notre Père disait Dieu, Dieu est mon Père. Dieu n'est pas ton Père, n'est pas son Père. Dieu, il est le Père de celui qui est né de lui. Est-ce qu'il est vrai? Non, c'est vrai ou pas? Il nous l'a dit, non? Ils sont nés selon la volonté de Dieu. Selon la volonté. Donc toi, c'est toi qui peux prier. Me dire, mais et mon Père qui est aux cieux, que, nous dit, que ta volonté à toi soit faite sur la terre comme au ciel. Et qui va faire sa volonté sur la terre? C'est bien toi. C'est pour ça que notre maître, quand il était sur la terre, en fait, il me dit, mais je n'ai fait rien de moi-même. Il était serviteur, non? Fils de Dieu, comme on dit, non? Je n'ai fait que ce que mon Père me montre de pouvoir faire. Chacun de nous doit arriver à ce point-là. C'est vrai. Tel maître, tel serviteur. C'est vrai, non? Donc, avoir une telle relation avec son Père, de telle sorte qu'effectivement, que lui maintenant, parce que tu lui as remis toute ta vie entière, ça, ça résout beaucoup de problèmes dans notre vie et dans notre marche. Parce que quand je lui ai remis tout, je lui fais confiance en tout. Il va faire mes comptes. Et c'est vrai. Quand tu dois faire mes comptes, je ne m'inquiète même pas. Je n'ai pas besoin de vérifier s'il a fait tout. Vous comprenez, entre parenthèses. Donc, je lui fais tellement confiance. Parce que je l'ai tout remis de moi-même. Dis-lui, Seigneur, j'ai tout remis. Contrôle ma vie. Maintenant, montre-moi. Je ne peux plus contrôler rien dans ma propre vie. Je ne peux plus être indépendant. C'est toi qui contrôles. Contrôle mes pas, prie ma part, oh Jésus, je me confie en toi. Vous le chantez, non? Vous le chantez, c'est pour ça que j'ai toujours dit, frères et sœurs, ne répétez pas les cantiques comme si blablabla. Non, c'est une prière en fait, que tu as décidé de reconnaître Seigneur, comme nous l'avons entendu, contrôle mes pas. Seigneur, ne me laisse pas, ne m'appartiens pas, l'homme se dirige pas. C'est toi qui dois conduire, diriger mes pas. J'ai dirigé mes pas l'autre fois, mais maintenant, toi, aide-moi. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien que nous comprenions cela. C'est comme cela que nos vies seront agréables. Oui, et là, nous comprenons que quand nous lui remettons cela, toutes ces choses, effectivement, entre ses mains. Alors, nous comprenons aussi avec beaucoup d'aisance. C'est à ce moment-là que dans moi, le murmure va cesser pour toujours. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que les murmures vont cesser, les plaintes et ceci et cela? Parce qu'en fait, quand tu te plains, tu murmures, c'est que tu ne lui as rien donné.
Tu savais qu'effectivement, tu es toujours indépendant. Tu as dit, mais c'est moi qui dirige ma vie, ceci et cela. Pour moi, j'ai fait ça, toi, tu n'as pas fait ça pour moi. Donc, ce sont les plaintes et murmures. Mais vous comprenez, en fait. Mais quand tu lui as tout donné, effectivement, tu as vraiment confiance en lui à 100%. Comme Abraham avait 100% confiance en lui. Quand il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique enfant, on n'a jamais vu Abraham murmurer. C'est ça l'homme qui a donné tout à Dieu, en fait. Il dit, viens me l'offrir, effectivement. Abraham n'a pas murmuré, n'a pas commencé à crier, à faire tout un tas de gymnastique. Non! Même quand l'enfant lui a parlé avec amour, Abraham n'a pas bronché, en fait. Il a simplement dit, l'Éternel, ses pouvoirs à lui-même, dit l'Holocauste. Il faut avoir remis toute sa vie entre les mains de Dieu. Confiance et foi. En fait, nous entendons cela. Vous savez qu'Abraham a existé. Puis si vous dites que ce n'est pas vrai, frère, ce n'est pas la vérité, on prend ça. Mais regardez simplement qu'Israël existe. Oui, oui, oui. Si vous voulez douter, en fait, vous voulez dire, mais si Israël existe, c'est qu'Abraham a existé. Et puis le nom d'Israël est resté jusqu'à aujourd'hui. On a essayé de changer. Mais c'est toujours, on a fonctionné par la Palestine. Hein. Mais aujourd'hui, Israël est toujours là. Pour démontrer que c'est vrai. Donc cet homme, effectivement, aussi, c'était un être humain comme toi et moi. Mais il a eu tellement de confiance en Dieu que la Bible nous dit même qu'il ne regardait même pas que son corps. Mais il avait, même si son corps était comme détérioré, il avait confiance en Dieu. Il avait tout remis entre les mains de ces dieux-là. C'est le problème, ce qui s'est dit. Ce n'était pas un robot, c'était un être humain, comme vous et moi aussi, auquel Dieu. Ce qui veut dire que c'est possible de pouvoir réellement faire 100% confiance au Seigneur, de tout lui abandonner, en fait. De rien retenir. Parce qu'Abraham n'a pas retenu son fils. Vous, on n'a même pas touché à toutes ces choses-là, effectivement, aussi, certaines manières de se voir plus loin. C'est la petite chose, effectivement, dans votre vie, peut-être les finances et tout ça, et vous perdez le contrôle. C'est vrai. Vous, Dieu ne vous a pas dit de pouvoir prendre votre fils et de pouvoir l'offrir, même votre fille, vous allez l'offrir. Simplement, parfois, des petites circonstances comme ça, dans ceci, dans ce que vous faites, dans des circonstances, on perd le contrôle. Est-ce que Dieu est encore avec moi? Et pourtant, Dieu est toujours là. On doit sortir en fait de ces systèmes-là, de pouvoir toujours être des gens que quand on commence à se plaindre ici, effectivement, non mon frère, si c'est quelqu'un qui vient de pouvoir croire, on comprend parce qu'il a à apprendre. Mais nous mon frère, après tant d'années, avoir toujours quand un problème surgit, tête de concombre, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, non, non. Et puis, on a oublié que la Bible nous fait savoir que le juste, et il ne craindra pas. Et c'est ça que la Bible nous fait savoir. Vous croyez l'Écriture ou pas? Amen. Oui, si, si. Moi, je crois à l'Écriture. Si, si. Si nous croyons l'Écriture, alors nous devons marcher par la foi. On peut par la vie. Ce que Dieu nous fait donc savoir effectivement cela. C'est-à-dire que, avoir. Alors, quand nous sommes comme cela, effectivement, que nous avons eu à pouvoir déposer tout entre ses mains, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de le louer pour qu'il nous aide à faire seulement accomplir sa volonté. Et que nous savons que si j'ai remis toutes choses entre ses mains, alors maintenant je peux comprendre ce qu'il me dit. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment, de ceux qui sont appelés selon. C'est facile de répéter la chose. Mais quand on est dans une situation de preuve, on oublie. Directement, ce sont des pleurs de plein d'ailleurs. Ça m'arrive aussi, Seigneur, que moi, ce n'est que moi. Bien sûr que tu l'as choisi de pouvoir marcher. C'est parce que Dieu t'aime qu'il permet que tu... C'est en fait une réflexion qui doit venir instantanément quand on passe par des moments difficiles. Pour autant que tu n'aies pas volé, pour ne pas que tu n'aies pas communiqué. Mais quand tu sers ce Dieu-là, alors quand ça arrive, merci Seigneur.
Mais maintenant, tu l'as dit dans ta parole à toi, tu ne permettras pas d'être éprouvé au-delà de mes forces. Quand l'épreuve vient, il y a aussi une ouverture. Seigneur, maintenant, agis. Oui, il faut lui rappeler sa parole. Pas se plaindre, mais non, Seigneur, je suis con, je te remercie parce que tu as aussi dit ceci. Ne me laisse pas aller plus loin. Tu as toujours une porte de secours là, tu l'as dit toi. C'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir dans ta propre vie. On a placé notre confiance. Et puis, nous avons un modèle parfait. Frères et sœurs, dites. Oui, parce que il faut toujours qu'il y ait quand même un qui est au-devant de nous, qui nous encourage. Quand nous pouvons voir que dans l'épreuve dans laquelle il passait, il a tenu tellement ferme jusqu'au bout. Et il a eu la victoire. C'est pour ça qu'il est un modèle parfait pour nous. Il a résisté dans l'épreuve parce que les épreuves par lesquelles lui, il est passé aussi, la haine, tout ça, le monde le rejette, mais vous allez y passer aussi. Il nous a dit, hein, il n'a pas dit que vous aurez le bonheur, il a dit, mais vous aurez des tribulations. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez effectivement être vaincu. Quelle bonne nouvelle, il a dit. Ne craignez point, il dit, vous aurez des tribulations, mais il dit, ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Vous savez que l'apôtre Paul prend l'écriture. Il dit, qui nous séparera? L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père. C'est donc la tribulation, l'angoisse. Il a compris, mon frère et ma soeur. Tous ces soucis, il a dit, c'est ça qui peut me séparer de lui. Il dit, c'est pas possible. Parce que je compris une chose. Qu'il a toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Moi et toi, nous sommes plus que. Donc, quand on dit plus que, donc on est au-dessus encore. Donc, dans toutes ces choses. Amen, amen. Alors, frères et sœurs, il faut qu'on change. Non, regarde notre façon de regarder, effectivement, ce qui est en face de nous. Les épreuves, nous les aurons jusqu'à notre départ. Bien sûr que oui. Et la victoire, nous la garderons. Toujours jusqu'à notre bien sûr, messieurs, parce que nous sommes ceux qu'on appelle la troupe des vainqueurs, pas des vaincus, mais des vainqueurs, messieurs, qui ont vaincu, qui ont tout vaincu. Et toi, tu es censé pouvoir tout vaincre. La maladie vient et tout va bien. Tout va bien, les épreuves, ma vie, tout va bien. Tout va bien, dit la femme soudainement. Les épreuves, dans ma vie, tout va bien. Tout va bien, dit la femme de. Vous connaissez, non? Son enfant était mort. Elle n'a pas crié, elle n'a pas versé de larmes. Elle a dit simplement, amène-moi là où se trouve l'homme de Dieu. Oui. Parce qu'il savait que ce bébé-là, il ne pouvait pas avoir de bébé. Mais quand cet homme de Dieu lui a dit, que veux-tu vraiment? Parce que tu as fait tellement du bien à mon âme, tu m'as accueilli, tu m'as donné à manger. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai ça. C'est Yazid, vous vous souvenez, non? Yazid qui dit, parce qu'il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour elle? Avec autant d'amour qu'il manifeste. C'est touchant, vous ne vous rendez pas compte ce que quand vous faites du bien à quelqu'un, c'est tout un homme qui sert Dieu, la prière qui monte devant Dieu pour vous, c'est qu'il dit, Seigneur, je ne sais pas lui donner. Vous ne le savez pas. Il ne sait pas quoi lui donner. Mais Seigneur, à cause de cet amour, toi qui es mon Dieu, donne-lui.
Et c'est pour ça qu'il dit, mais qu'est-ce que je peux donner à cette femme? Parce qu'il est pour, elle a pris soin de, vous savez comment elle a fait, donc? Préparer une maison, logement pour lui, le nourrir, effectivement, prendre soin, mais avec beaucoup d'amour, effectivement. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Gazi, qu'est-ce qu'il doit parler au roi pour lui? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais regarde un peu. Il dit, mais, ah, j'ai vu que, depuis qu'elle est mariée, elle n'a pas de bébé. Pas de bébé. Il dit, c'est cela, en fait, il n'a pas de bébé. Je voulais raconter mon propre témoignage, non? C'était en Jamaïque, vous avez peut-être oublié, en Jamaïque. Quand je suis arrivé là-bas, pour les réunions, on m'a logé dans une maison. Alors, on prenait tellement soin de moi. Et c'est vrai, il y avait même une ferme là-bas où ils faisaient des moutons, j'avais même acheté, on préparait. Et il y avait la femme de ce frère-là qui était tellement si gentil. J'ai vécu la même expérience. À ce moment-là, j'étais avec le frère Epi, qui est déjà parti. Et la femme prenait soin d'une manière extraordinaire. Et j'étais tellement touché, Dieu m'est témoin, j'étais tellement touché dans mon cœur. Je regarde, j'ai dit, mon frère Epi, c'est vraiment, on la voyait, la douceur, la gentillesse, effectivement, ah, c'est extraordinaire. J'ai dit, mais en tout cas, mon cœur est vraiment touché pour cette famille, surtout la sœur qui nous a accueillis. Ben, elle ne me connaissait pas. Bon, pour la première fois, je crois pas, elle m'a connu un peu, ce qu'ils ont été en Hollande. Vous allez là-bas. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux, on peut vraiment faire pour cette sœur? Et le frère qui me dit, mais en fait, quand on voit, la sœur a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'a pas de bébé. Ce que je vous dis est 100% vrai. Elle n'a pas d'enfant. Il dit, elle n'a pas de bébé, donc elle a le désir de pouvoir avoir un bébé. Il dit, oui, je pense que c'est cela. Et j'ai appelé la sœur. J'ai dit, fais appeler. La sœur est venue. J'ai dit, ma précieuse, ma sœur, moi, j'ai dit, vraiment, merci beaucoup pour les soins que tu prodigues et tout ça, l'amour et la nourriture que tu prépares et la gentillesse qui te manifeste le matin, le petit déjeuner, la journée, tu sais, après la réunion, tu es là pour moi. J'ai dit, le frère m'a dit, et j'ai appris que tu n'as pas de bébé. Et... j'ai dit, je voudrais prier pour toi. Pour que Dieu t'accorde la grâce d'avoir un bébé. Et quand je reviendrai encore chez vous, et je l'ai dit ça, je serai dans la joie que de trouver que tu as un bébé. Cela s'est accompli exactement, frère. C'est 100% vrai. Je priais pour elle, je suis retourné. Et quand je suis, et quand on était invité encore là-bas en Jamaïque, ça me rappelle, c'était là-bas. Et j'ai été, en fait, là-bas, quand je suis arrivé là-bas, que je vois la sœur vient pour me présenter, dit, voici donc ma fille. Oui. Je l'ai vue de mes yeux. Dieu est bon, mon frère. Et c'est comme ça que nous lisons dans les Saintes Écritures où Élisée a eu à pouvoir dire à la femme, effectivement, et effectivement, si son fils donc était donc, et comme vous le savez, puis il a eu mal à la tête, et puis et ainsi de suite, et vous savez qu'elle n'a pas pleuré, il dit amène-moi là. Son mari lui pose la question, il dit mais pourquoi tu veux avoir l'homme de Dieu, effectivement, tu connais, on sait que c'est bon, est-ce qu'il y a un problème? Il dit à son mari, non, tout va. C'est, on pouvait entendre de qui de matin là-bas, aïe, aïe, qu'est-ce qu'il y a là, la sœur, mais la tsunami, elle s'est levée tranquillement. Son enfant mort et son mari n'a même rien remarqué. Mais pourquoi? À cause de la foi. Vous savez que le Dieu qui m'a donné cet enfant le ramènera aussi à la vie. Vous savez, c'est Dieu a une façon extraordinaire de faire les choses, mon frère. Notre frère, ici, Samuel, il est là, il écoute effectivement. Vous savez comment c'est passé avec les triplés, non? Il y avait un des triplés qui était donc décédé entre ses mains à la maison. Et la police a commencé à pour. Il est venu, la police est venue, il m'a appelé. Mais il y a toujours une bonne réaction, le frère.
Il m'a appelé, effectivement, il pleurait, effectivement, aussi. Hein. Et alors, là, la police est venue commencer. Oui, c'est toi, comment ça se fait que tu as tué l'enfant? Il m'a appelé, frère, l'enfant est décédé ici. Oui, il est là, le frère Samuel. Après la réunion, vous pouvez poser la question, parce qu'il est témoin, il n'est pas parti, il est toujours là. Et alors, il m'a dit, parce que l'enfant est parti, et la police est venue, les ambulances sont venues, effectivement, là, ainsi de suite, effectivement. Et là, on l'accule, mais oui, comment ça, vous savez comment ça vient? Comment tu as traité l'enfant? L'enfant est décédé à cause de toi, effectivement, ainsi de suite. Et puis, il m'a appelé, j'ai pris vite la voiture, je suis arrivé, il y avait l'ambulance, il y avait la police, effectivement. Et là, moi, je me suis simplement glissé derrière, je suis rentré, l'enfant était là, allongé là, vraiment, sans souffle. Et moi, j'ai pris l'enfant. Parce que c'est par la parole de Dieu que cet enfant est venu à la vie. Amen. Il dit, le même Dieu, Seigneur, tu as vu la joie de ton fils, combien t'as toujours honoré, et il a cru à cela, et tu lui as donné cet enfant. Tu es capable de le ramener à la vie. J'ai prié, je me suis levé, on a pris l'enfant. Cet enfant est vivant jusqu'aujourd'hui. Oui, 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 c'est vrai, mon frère et ma soeur. Nous servons un Dieu qui est vivant. Et nous passons par des moments difficiles. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père est précieux, Sauveur. Tu es le roi digne d'être aimé et célébré parce que tu fais des choses grandioses. Tu as fait aussi, bénir Père du Saint. Tu continues encore à les faire, mon roi. Puis-tu encore bénir encore mes frères et sœurs, mon roi. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit Saint, mon bénémoine Père du Saint Dieu. Nous soupirons après ces jours. Nous demandons la grâce, mon bénémoine Père Saint Dieu, que nos cœurs et nos âmes puissent brûler encore davantage du zèle, mon bénémoine Père Saint Dieu, pour pouvoir te servir parce que tu n'es pas un petit. Tu es le grand Jésus, mon roi. Le maître de l'univers, bénémoine Père du Saint Dieu, qui contrôle l'espace, mon bénémoine Père du Saint. Et la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, mon roi. Quel autre Dieu je peux louer, mon bénémoine Père du Saint Dieu, honorer et servir aussi, bénémoine Père du Saint. Nous avons vraiment besoin de toi, mon Sauveur. Réveille-nous encore davantage, mon roi, et que, oh Dieu, que cet amour pour toi, ces zèles, ce respect, cette considération, mon roi, oh Dieu, pour toi, soit plus important que davantage, bénémoine Père du Saint Dieu, que notre propre vie, bénémoine Père du Saint Dieu. Que ce que nous sommes, mon roi, nous te voulons, bénémoine Père Saint Dieu. Père, pardonne encore notre négligence, mon bénémoine Père Saint Dieu. Oh, Père Saint, Père Saint Dieu, aide-nous encore là que ces ailes, que tout, parce que nous avons la victoire, mon bénémoine Père Saint Dieu. Le monde ne peut rien nous faire, Père Saint Dieu. C'est nous qui devons parler, c'est nous qui devons dire, Père Saint Dieu. Nous sommes ton peuple, moi, malgré les épreuves, mon bénémoine Père Saint Dieu. La nature divine, mon bénémoine, tu l'as connu, bénémoine Père Saint Dieu. Nous te remercions encore pour ces instants et ces moments bénis que tu nous as aussi donné encore, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous a vraiment aimés, bénémoine Père Saint-Dieu. Les souffrances étant présentes, les épreuves ne peuvent pas, pourront pas être comparées à la gloire venue, Père Saint-Dieu. Et même sur la terre, tu fais des grandes choses pour nous, bénémoine Père Saint-Dieu. Tu as toujours pourvu à tous nos besoins, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, contre Dieu, bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, salut, bénémoine Père Saint-Dieu. Nous savons que toi, tu es toujours celui qui a toujours pourvu pour nous, Père Dieu. Je te remercie, mon roi. Je te loue de tout mon cœur. Que la guérison que tu as accordée à ton peuple, Père Saint, qu'il soit vraiment guéri, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et encouragé et fortifié par toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Seigneur, que leur vie soit vraiment redressée, comme tu as dit, que ce qui est boiteux soit raffermi, bénémoine Père Saint-Dieu. Aide mon frère, mon bénémoine Père Saint-Dieu, ma soeur, nos enfants, nos petits-enfants, bénémoine Père Saint-Dieu, à être remplis de toi, bénémoine Père Saint-Dieu. Seigneur, c'est le temps, mon roi. Aide nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos frères et sœurs, mon roi, nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, tu es vraiment le plus beau parmi les milliers. Mon âme ne soupire qu'après toi, t'exaltant parce que je connais, Père Saint-Dieu, qui tu es, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, et combien ton bras est tellement si puissant, mon roi. Je te remercie, Père. Je prie pour mon frère Yves, bénémoine, Père Saint-Dieu. Élève mon précieux frère, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Fais la
fait sortir de cet endroit, bénémoine Père Tibissant, Dieu. A conduit encore la grâce, bénémoine Père Tibissant. Je voudrais tant le voir debout, bénémoine Père Dieu. Tes servants encore davantage, mon roi. J'ai confiance en toi pour lui, bénémoine Père Saint Dieu. Soutiens, Seigneur. Bénis mon frère Bernard, Père Saint Dieu. Bénis mon frère Père Tibissant, Dieu. Daniel, tous les frères, précédents, le Seigneur, souviens-toi de ceux-là qui sont à toi, bénémoine Père Saint Dieu. Leur famille, bénémoine Père Tibissant, Dieu. Pouvoir, Seigneur, tous mes bien-aimés frères et sœurs. Partout ils sont, bénémoine Père Saint Dieu. Accorde la grâce, mon roi, et soutien. Oh Jésus. Bénis ton peuple, tes serviteurs, mon précieux frère Christian qui n'est pas là, qui soit béni, personne de là où il est. Merci pour mon frère Zaché, pour mon frère Patubissant, Rosalie aussi, pour mon précieux bénémoine frère Jeunesse, mon roi, pour tous tes enfants, bénémoine Patubissant, Dieu Seigneur. Oh, pour tous ceux-là qui te servent, souviens-toi, laisse la chorale, mon bénémoine. Les enfants soient zélés par toi, mon bénémoine, Père Saint Dieu, la joie va te servir. La flamme plus encore brûle encore dans leur cœur. En renouveau, mon bénémoine, Père Tibissant Dieu, une marche avec toi, mon bénémoine, Père Saint Dieu. Tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont en connexion, mon roi, voulons vraiment avoir une libre conduite seulement que toi, mon bénémoine, Père Saint Dieu. Merci. Une fois encore, mon bénémoine, Père Saint Dieu, et encore une fois. Oh, une fois encore, mon bénémoine Père Saint-Dieu, quand Samson a crié vers toi, une fois encore, mon roi, j'étais en vengeance de mes ennemis, une fois encore, mon roi, nous voulons vraiment des soldats pour toi, et des hommes décidés, Père Saint-Dieu, pour pouvoir te célébrer, t'honorer, te glorifier encore, Père Saint-Dieu, pour ce temps que tu nous as donné, Père. La grâce d'être à toi, la joie va te servir, mon roi. Ton cœur brûlant d'amour pour toi, de reconnaissance, mon sauveur. Garde ton peuple, mon bénémoine Père Saint-Dieu, que l'ennemi ne puisse pas le toucher, mon bénémoine Père Saint-Dieu, qu'il soit protégé, parce que c'est à l'ombre de tes ailes. Souviens-toi de ma soeur Mélanie, Père Saint-Dieu, que tu la bénisses, mon roi, que tu puisses la protéger, puis avoir un travail, être gardé par toi. Seigneur, je t'en supplie, mon roi. Merci, Père Saint-Dieu, pour ma soeur Élise, Seigneur Jésus. Elle a ouvert son cœur pour toi. Que tu la bénisses, que tu la soutiennes, que tu la remplisses encore, Seigneur. Elle veut vivre ta parole à toi, bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, tu es Dieu qui visite encore davantage, mon roi. Merci. Merci vraiment, mon roi, pour ce que tu fais. Merci encore. Et mon merci encore. C'est vrai. Ton peuple est à toi. Nous revenons à toi. Nous ne voulons rien faire sans toi. Et merci Seigneur. Souviens-toi. Ma jeune soeur ici, Aziza, qui a besoin de toi. Yvonne aussi, Raymond, tous ses enfants de mon précieux frère. Et lui-même et toute sa maison, Seigneur. Ils ont besoin de ta lumière et de ta grâce. Seigneur, soutiens. Je t'en supplie, Père Dieu, à cause de ton Seigneur. Merci. Merci, oh Dieu. Pour ce que tu as fait pour mon frère Koulibaly et sa famille, je t'en suis reconnaissant. Tu es vraiment merveilleux, Père. Nous avons besoin de toi, c'est Dieu glorieux. Merci, ça va. Merci, Père. Oh, Jésus. Merci. Oh. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à toi. Tu as fait de moi. Merci, mon Père. Tu n'as pas changé. Tu ne changeras jamais, Père et Dieu. Ce soir, nous te disons merci encore. Oui. Merci. Nous voulons cela, mon Sauveur béni. Te servir, toi, le seul Rédempteur. Oui, Père, dans tout. Merci. Gloire à toi. Merci, ça va. Merci. Nous le voulons, Père. Notre vie entre tes mains. Davantage. Merci, Père. Nous te disons merci. Tu le fais. Nous te remercions pour cela et continuons encore ton œuvre, Père. Et nous sommes tes soldats. Merci. Merci, mon Père. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, ça va. Tu es merveilleux. Merci, merci. Merci,
Père Saint et glorieux Jésus, mon roi. Nous te célébrerons et nous te servirons. Et cela jusqu'à la mort, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Le monde ne peut rien nous faire et le monde ne peut rien nous imposer, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous vivrons pour toi, nous te célébrerons, nous te servirons, Père Saint-Dieu, comme nos précieux frères et sœurs, nos frères qui nous ont précédés, Seigneur Jésus, Père Saint-Dieu, ils ont eu à pouvoir réellement donner aussi leur vie pour cet évangile du royaume, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Ils n'ont pas accepté de pouvoir vivre dans ce monde. Ils ont accepté de pouvoir partir hors Dieu, en rendant témoignage, en restant ferme à la foi et en croyant ta parole. C'est pour ça que nous te disons merci, Père Dieu. Béni soit ton Seigneur. Ôte la peur, mais que la détermination y soit dans les écoles, partout. Garde tes enfants qui n'aient pas peur en quoi que ce soit. Seigneur, nous montrons ce que nous sommes et l'étendard de la victoire, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Jusqu'à la mort, nous te servirons et nous le sommes et nous le serons, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Merci, Père. De qui aurons-nous, Père, mon roi? Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui donne la victoire et aussi la vie, Seigneur Jésus. Merci pour ta victoire et toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Sois béni et sois glorifié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci. Je connais ces puissants qui lèvent tout défi. Peu m'importe si le garde confiance, l'éternel est là, l'éternel est dans le camp, l'éternel est dans le camp. De confiance.